guys, je suis de retour pour le chauffeur numéro 5? Qu'est-ce? Je sais pas. Peut-être. Et on est dans un jeu que je voulais faire avec impatience. Ocarina of Time. Et oui, c'est Tim maintenant. Non, suis-moi pas, petit chien. On est la nuit, ça a l'air. Donc, il faut aller chercher nos triforces pour devenir puissants. Et peut-être qu'on a des objets cachés en arrière des skulls, tout là. Fait que je sais qu'il y en a un ici. Il va falloir les faire. Je devrais changer de graphique pour notre cher ami Zelda. My God, le son est énormément fort dans mes oreilles. Et on a eu des sticks. Ça veut dire que les skulls là sont randomized aussi. Je viens d'apprendre quelque chose. Et toi, qu'est-ce que tu me donnes, ma chère Malon? Je m'en fous, qu'est-ce que tu me dis? J'ai besoin. Tu me donnes un bouclier. J'imagine que c'est mieux que rien. Est-ce qu'on avait... C'est quoi les items qu'on a? On a un bâton? Et maintenant, on a un bouclier. C'est pas une bonne idée de l'équiper en général. Oui, oui, le classique de tout le temps, sauvegarder quand il faut pas. Bref, bye-bye, je m'en vais d'ici. J'ai aucune idée si je suis dans un monde ouvert ou pas. Mais savez-vous où est-ce qu'on va aller? On va aller... En fait, on devrait aller rapporter le chien. Considérant qu'on est la nuit et je viens de réaliser qu'on peut pas sortir du village. Oh, attendez une seconde. On a une musique, je pense, pour nous téléporter. On en a une autre. On a une autre belle petite chanson qu'on va pouvoir faire. Viens-t'en, petit Mickey, Mickey! Mickey, Mickey, Mickey! C'est comme ça que je l'appelle, OK? Je sais plus c'est quoi son nom. C'est peut-être Robert. Qui sait? Mais c'est pas très important. L'important, c'est le cadeau qu'elle va nous donner, parce que c'est juste ça. Je suis matérialiste, donne-moi quelque chose d'intéressant. Richard! Richard! C'était ça son nom. 5 roupies pour ça! T'aurais pu me donner un boomerang, au moins. J'aurais pu la revendre pour plus cher. J'ai retrouvé son chien, puis elle me donne 5 roupies. 5 fucking roupies! Vous allez dire que je suis pas très reconnaissant. Mais bref, je m'en fous. On va essayer notre chanson, en fait, notre musique magique que j'ai aucune idée c'est comment qu'on la joue, mais c'est un petit détail. A, O, gauche, droite, OK, je sais comment le faire. A, O, oh my God, c'est magnifique les notes que ça fait. Et ça aussi, c'est magnifique, le bruit que ça fait à mes oreilles. Donc, où est-ce qu'on va se téléporter? Est-ce que c'est vraiment Lost Woods qu'on va aller? Totalement! Totalement! Oh, c'est vrai, ça s'appelle Chaos 69! J'avais complètement oublié cette partie-là. Est-ce qu'on a un item ici? C'est adulte qu'on a un item, hein? Oh God! Adieu, monde cruel! Adieu, monde cruel! Est-ce qu'on va avec le jour? Non? Je me rappelle plus c'est quoi la chanson. Va falloir que je regarde dans le menu. Shit! Va falloir que je regarde à chaque fois. Je vais toujours être perdu. Ce n'est pas une bonne chose. Je vais être obligé de marquer 18 ans et plus maintenant que j'ai dit shit, shit, shit dans la vidéo. Bref, ce n'est qu'un détail YouTube. Yeah, je l'ai eu! Surtout avec le bruit de la musique vraiment brisé, ça l'aide pas à savoir si on fait les bonnes notes. C'est pas super que ça en fait, là, j'exagère. Mais bref, j'exagère tout le temps. Vous devriez le savoir. Bon, ben, il va falloir attendre le jour. Ça me tente pas de faire les mini-games. Donc, il va falloir aller voir notre ami Malon et faire « Hey, on attend avec toi! » Hey, en fait, il y a des chats. Il y a une boutique qu'on peut aller voir. C'est vrai, allons voir la boutique. Depuis tantôt, je pense... Ah, allons pas voir la boutique, je vais complètement l'oublier la prochaine fois. Parce qu'on a switché de jeu, je pense. Oui, oui. Licensed by Nintendo. Konami. Est-ce qu'on est dans... Oh, on l'avait pas restart. On n'avait pas recommencé. Oh non. Quoique, je pense qu'on est correct. Je pense que... Oui, on avait sauvegardé. Je me rappelle. OK, on va pouvoir continuer notre exploration. On était rendu pas très loin de qu'est-ce que je vois. Donc, on va aller en haut ici voir. On avait un double jump. Un double jump? Non, on n'avait pas un double jump. Oh! On l'avait eu, c'est juste qu'on n'avait pas sauvegardé. Depuis, on avait tué le boss. Bon, ben, il va falloir recommencer ça. On va faire comme si rien ne s'était passé. On va retuer des omelettes à l'infini. Mais on... Oh! J'adore pétrifier les ennemis. On devrait l'essayer. Juste parce que j'aime ça, essayer plusieurs affaires. Cocatrice, let's go. Surtout que j'utilise même pas le ghost. Comment qu'on fait pour l'utiliser déjà? Aurora. Non, c'est pas comme ça qu'on l'utilise. C'est A. Ah, c'est ça. Je sais pas pourquoi ça a frappé vers le bas. Je te pétrifie. Je te pétrifie. Je suis pas capable de parler. Ah, oh! OK, on n'a pas le droit de foncer dessus par contre. Et je pense que ça nous donne un boost en dommage, ce qui est bien. Oh, c'est notre premier boss qu'on avait tué la dernière fois. Comme c'est bien de te revoir. Non!
pas des boules de feu dans ma face. Ça doit être le boss le plus facile de toutes les Castlevania. En fait, j'en ai aucune idée. Mais bref, donne-moi ça, je veux la boule. Il me semble qu'il y avait deux. On avait eu un boost. Ah, c'est il est là le boost. Yeah, Black Panther. Excellent. Est-ce qu'il faut l'équiper, Black Panther? Oui. À la place de Cagnazzo. Mais j'adore le aura 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 par contre. Ah, je suis un speedrunner, faut que j'utilise le boost. Ok, on avait, mais si je m'en rappelle, on avait été en haut et le double jump est vers le haut. Mais je suis pas sûr à 100%. Level up, j'apprécie toujours level up et monter le niveau est toujours bien. Oui, toi et ta belle flèche, tu peux essayer de me lancer dans la face. Mais je pense que je préfère ma belle face sans flèche à l'intérieur. Pauvres petits oiseaux. Je me demande, en fait là, avec l'arme que j'ai, on peut faire beaucoup de choses. Throw wheels at enemy. Et avec le double jump que je m'en vais chercher aussi, on va pouvoir faire quand même beaucoup de choses. Fait, c'est pas super, on progresse pas mal plus vite que je pensais qu'on allait progresser. Et c'est quoi ça déjà? Il est là notre double jump! Magnifique! Je sais pas où on va se rendre, mais si je peux me rendre au dernier boss, on ira. Et si on finit le jeu, on finira le jeu, peu importe. Dans le fond, mon but, c'est juste de trouver le dernier boss. Ça, c'est pas trop compliqué. Moins de motion ledge. Ok, c'est bien. Le géant vert de terre. L'âme de géant vert de terre. J'étais pas au courant que les vers de... Shit, on change. Les vers de terre géants se... Pourquoi tu es revenu à l'intérieur? J'avais oublié... de enlever Kirby Superstar, parce qu'il est pas randomize. Donc, on a rien vu, il y avait pas de Kirby Superstar, voyons. Ah oui, je voulais compléter ce niveau. Mes oreilles meurent, je devrais diminuer mon son. Ah, excellent. J'ai des écouteurs sur la tête, et je pense que mon son était tellement fort que peut-être qu'on l'entendait en écho dans le micro, ce qui n'est pas bien. Là, il y a une partie de moi qui veut faire les pièce rouge et l'autre qui ne veut aucunement faire ça. Il s'est rien passé, j'ai pas sauté à côté. Aucunement. De quoi vous parlez? Vous avez rien vu? Mais on va essayer, ok? Je sais qu'il me semble que j'avais dit qu'on essaierait la dernière fois. Alors, on va essayer. Il y a juste quelque chose qui me fait peur. Et c'est... C'est le fait qu'il me reste... Que j'entende personne dire quelque chose, ok? Oh, un Toad. Est-ce que si je parle, va me donner une étoile? Est-ce que tu me donnes une étoile gratuite, mon cher Toad? Par pitié, tu me parles de murs secrets, je m'en fous un peu. Bye-bye. On va aller dans ce monde. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce monde? Rien, pantouf. Désolé. Je ne coupe pas. Et je fais très professionnel, comme d'habitude. Mais je ne coupe pas, mais il faut que je me réhydrate la gorge, ça fait du sens. Bref, allons à l'intérieur de cette chose avec le plus d'eau possible. Parce que lâche le mur, Mario. Je sais que t'aimes ça de frotter sur le mur, mais garde ça pour d'autres moments. Parce que les étoiles, si on a le plus d'eau, on va pouvoir aller les chercher peu importe son où, non? Et j'avais oublié que c'était randomize ça aussi. Peut-être qu'il y a une étoile juste là. C'est avec la deuxième étoile la plus facile. Ah, shit. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'étoile. Caméra, par pitié, compère! Par pitié! Tiens, on va monter l'eau un peu. Quoique j'aimais mieux marcher à terre que nager. Ah, trop tard maintenant. Je sais pas s'il va falloir qu'on fasse... Est-ce que techniquement, il y a... 50 étoiles qu'on n'a pas à aller chercher, non? 70 plus 30, ça fait 100. Oh, merci de me prendre! Ah, laisse faire. Fait que 30 plus 20, ça fait 50. Donc, 50 étoiles qu'on n'a pas besoin d'aller chercher. Mais j'ai beaucoup d'étoiles à aller chercher quand même. 70. Par pitié! Je me trompe de bouton constamment parce que, généralement, quand que je joue, c'est pas des boutons placés de cette façon-là, ok? Et j'ai une manette de 64 en ce moment que j'utilise pas non plus. C'est peut-être un gros problème. Ah! Je veux utiliser mon compte! Fuck you. Ah! Téléportation en arrière. Excellent. Ok, yeah. Savez-vous quoi? On va juste faire ça. C'est même pas une fucking étoile. Tout ça pour absolument rien. Toi, es-tu une étoile ou tu es juste un bloc? Tu n'es qu'un bloc. Sale bloc. Ça veut absolument rien dire. Finalement, il n'y a pas d'étoile facile. Ok, c'est sûr qu'il y a quelque chose là, non?
Magnifique, j'ai réussi quelque chose que je pensais pas réussir. Où est cette fucking étoile? Il y a des blocs partout, elle est là! Est-ce qu'il y en a un autre? Est-ce qu'il me semble qu'il y avait deux blocs d'étoiles, non? Si les deux sont vraiment aux mêmes places, je vais un petit peu... Pourquoi, jeu? Pourquoi es-tu aussi stupide? C'est pas stupide, mais bref. Pourquoi es-tu aussi méchant? Mais c'est pas méchant parce que c'est facile d'aller là. Mais bref. J'avoue qu'il y a pas vraiment d'étoiles qui sont... Il semble qu'il y avait trois étoiles dans des blocs. Il y en a une dans la ville, Top of the Town. C'était celle-là qui était dans un bloc. Il y en a deux dans la pièce principale qui est ici. Donc... Ah, shit, manqué. Donc, il nous manque une autre étoile qu'on pourrait avoir gratuitement. Si je ne me trompe, je peux très bien me tromper. Ce ne serait pas la première fois. Viens dans mes bras, petite étoile. Ou viens pas dans mes bras, petite étoile. God damn it! Au moins, ça va faire quelque chose de facile à faire la prochaine fois qu'on va revenir. Est-ce moi où on est en train de recommencer tout? J'ai pas l'air d'avoir... Non, pourtant, Super Mario 64, on n'a pas reloadé. Mais pourquoi on reload Black Pit? Il me semble qu'on l'avait fait depuis... Ou peut-être qu'on l'avait pas fait? First play? Quoi? 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 Bref. On va recommencer, puis si jamais je la reprends, on va savoir que c'est ça qui est ça. Je pense qu'on peut skipper les 5 de toute façon. Ça va prendre 2 secondes, retourner où est-ce qu'on était. Tombe dans le trou Mario, pénètre à l'intérieur de ce magnifique trou. Je pense qu'il y a une autre scène à skipper. Oui, magnifique. Hey, hey, la mémoire et moi, ça ne fait qu'un. Regarde là, je sauvegarde ma partie. Tu es mieux de sauvegarder pour toujours. C'est peut-être de ma faute par contre, parce que j'ai... Jouer avec des options. J'aurais peut-être pas dû jouer avec des options. Vous allez me dire... Mais non, j'ai rien à dire à ma défense. Maintenant, je pense pas rejouer dans des options. On va juste continuer comme ça. Et on va assumer tous les choix que j'ai. Le noir qui est à l'écran, on assume tout le noir qui est à l'écran. On n'est pas raciste, tu sais. Qu'est-ce que vous avez contre les barres noires à gauche, à droite, en haut, en bas, hein? Qu'est-ce que vous avez contre ça? Moi, j'ai rien contre ça. Je les adore. Je les embrace. Bref, je vais arrêter de divaguer là-dessus et de faire le stupide. Mais bref, on a les Goombas. On avait déjà fait ces rooms-là et... j'étais pas sûr que c'était roguelite, mais je pense que c'est exactement ce qu'on avait eu. Et si la prochaine étage a un Koopa avec des lunettes soleil, on va savoir que c'est pas tant randomized. Mais peut-être que ça le devient avec plus tard quand on progresse. Et il y a un mode qui est sûrement plus roguelite, il me semble. Parce qu'il y avait des pancartes qui nous disaient des choses. Ah oui, c'est vrai, c'est Parangoomba avant de... What? Non! Je n'accepte pas ce coup et je l'ai bloqué, ok? Fait que je l'accepte comme ça. Je démontre à tout le monde que je suis un expert joueur de Paper Mario. Oh! Encore une fois, c'est les attaques plus faciles à éviter. Ok, laissez-moi m'enfler la tête, ok? Laissez-moi cette chance de m'enfler la tête. Je sais que je prends toutes les opportunités de me gonfler la tête, mais un jour, mon rêve, c'est de plus être capable de sortir de chez moi parce que j'ai la tête tellement enflée que je ne peux plus sortir de chez moi, fait que je vais avoir une bonne excuse et peut-être que le gouvernement va me donner de l'argent parce que j'ai une trop grosse tête. Non? C'est pas comme ça que ça fonctionne, la vie! Vous allez me dire? Eh bien, on peut faire... On peut croire tout ce qu'on veut. Non, je... On pourrait se commencer une religion tête enflée. Quoi qu'il y a déjà... J'ai déjà commencé deux religions, techniquement. Jean Poitou et l'église de Kazoo. Fait qu'il faudrait que j'arrête de créer des... Et peut-être un petit peu aussi d'église de Kelby, mais ça, c'est un petit détail. Faut pas parler de ça. Ah, on a... Ah, ouais, OK. Regardez. Tout va bien. Il s'est rien passé. Je me suis pas fait massacrer. God damn it. Moi qui parlais de culte en ce moment... Si je commence un culte, il faudrait que je fasse différent, en fait. Un vrai culte, je parle. Parce que, tu sais, dans les cultes normales, celui qui commence le culte, c'est tout le temps lui qui se ramasse avec les orgies. Le maître dans les orgies. Oh, OK. Et lui qui ramasse l'argent de tout le monde. Non! OK, succès! On n'est pas mort. OK. Bref, on parlait de culte. Avant d'avoir extrêmement peur de mourir. Et j'ai toujours extrêmement peur de mourir. Non!
Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que dans mon culte, Frey, c'est l'opposé, non? C'est-à-dire que je fais des orgies pour tout le monde, mais je n'y participe pas. Et je donne de l'argent à tout le monde. Je pense que mon culte serait très... successful. Ah, oh, pourquoi j'ai sauté par-dessus? Je suis stupide! Non, bouge! Pourquoi tu bouges pas? Où est-ce que je suis? Ok, je suis là. Parfait, ça n'a rien passé. Aucune panique en passant, c'est... c'est du sang-froid qu'on appelle. Je suis très calme. Je suis zen. Je suis en train de faire du yoga, même. C'est pour ça que j'ai pas mis de caméra. C'est parce que je voulais pas que vous voyez, me voyez dans legging, c'est-à-dire en pantalon très serré. T'sais, et que... t'sais, vous, je voulais pas vous rendre jaloux avec mon gros membre. Ok, non. Ah! Par pitié, non! Je ne veux pas mourir. Je dis des conneries en passant. Je voulais pas que vous voyez mon petit membre. Mon petit membre, Kazu. Sur ce, je suis mort. Non! On y va! Sur ce, arrêtons de dire des conneries et réussissons ce tableau. Ça dépend surtout des monstres qui spawnent, en fait. J'allais dire, je pense que j'ai jamais autant dit de conneries, mais c'est complètement faux! Alors, on va juste continuer et faire comme si rien des dernières minutes s'était passé. Il faut que je regarde mon temps. Ça fait déjà 16 minutes qu'on est en vidéo! Ça part... J'aurais tenté ma chance. L'important, c'est d'essayer dans la vie. Même quand on échoue. J'ai appris de mes erreurs. Et ma voix craque tellement que j'ai appris de mes erreurs. Pourquoi, petit oiseau, es-tu aussi violent avec moi? Ah, bref. Je dis que j'apprends de mes erreurs, mais je suis pas mal sûr que je vais faire la même erreur. 50 millions de fois. Hey, pourquoi j'ai sauté dans sa note? J'ai eu peur de mourir en ce moment-là. Mais bref, God fucking damn it! Ok. J'allais dire, j'ai vraiment hâte qu'on trouve un checkpoint dans un autre niveau, parce que je suis un petit peu tanné des singes volants. Bref, et des roues volantes aussi. Vous allez dire que j'ai un problème avec tout qu'est-ce qu'il y a des ailes? Mais les roues ont pas d'ailes. Oh god fucking damn it, fuck you. Fucking roue de... J'ai passé au travers de la fucking plateforme! Sur ce... je me demande comment ma fille fait pour rester endormie. Après toutes mes rages. God fucking damn it. Tout va bien. Bouge, mousse plateforme. Et sur ce, nous changeons de jeu. Et nous jouons à Mario Kart. Donc, si je me trompe pas, il faut faire des custom sets pour trouver les courses. Donc, je sais pas par contre si on fait les courses normales, si ça compte. On va faire les courses... normal, si ça fait du sens. On est dans Custom Set 1, allons dans Mushroom Cup et plein de points d'interrogation. Ok, oui, Mario, oui. Nous allons faire... Ok, quel perso j'avais choisi au juste? Toad, évidemment! Comment ai-je pu oublier notre cher ami Toad? Hey, j'ai commencé avec un boost, ça m'étonne. J'ai jamais... God fucking damn it. God fucking damn it! Ok, j'allais dire, j'ai jamais... jouer à The Hack de Mario Kart 64 ou de Randomizer ou whatever. Fait que les courses qui sont dedans sont complètement nouvelles pour moi et j'avais hâte de les voir. Sauf le chef-fleur a dit ha ha ha, fuck you, tu vas jouer à Super Mario Brothers. Mais on progresse dans Super Mario Brothers donc ce n'est pas un problème. J'ose croire, on a quasiment eu un 69 dans nos points. Quasiment. Ok, donne-moi un beau mushroom. 69,9! Ok, parfait. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, Super Mario Brothers. Je sais pas si ça va devenir vraiment difficile dedans. Oh shit! Quoique je suis le genre d'être... Mon problème dans le premier Super Mario Brothers, c'est que je suis vraiment trop impatient. Et j'ai dit ça, mais j'ai attendu que les tortues se tirent dans le trou comme un bon jeune homme. Mais je ne suis pas jeune. C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est une exception qui confirme la règle. Quoique, on a fini le monde 1-4! Quand même! Je sais pas comment de monde qu'il y a en tout, mais j'ai hâte de voir. J'ai l'impression que si le chauffeur décide, ça va être le premier jeu qu'on va terminer. Peut-être pas, finalement. Peut-être pas. Mais j'ai l'impression peut-être Super Mario Brothers serait le premier jeu qu'on va terminer. Je serais capable de parier là-dessus. Quoique, s'il arrête de nous le donner...
Ok, si vous posez des questions là-dessus, posez-vous pas de questions, ok? C'est moi, je suis Spoil. Bref. La patience. Je viens de faire peur à mon chien parce que j'ai frappé le coin de ma chaise. Ah, je dis que j'y ai fait peur, sauf qu'elle se rapproche. Elle est plus en train de se poser des questions. Oui, je vais bien. Inquiète-toi pas, Luna. Ça va très bien. Ok, elle m'ignore en ce moment. Elle est juste partie se coucher. Elle doit me trouver fatiguant en ce moment parce que je... Je crie. Comme un stupide. Et comme, ferme donc ta gueule, puis laisse-moi dormir. Probablement. Mais bref, on a complété ce niveau sur ce. Il fallait que je me focus sur mon chien. Tu m'as aidé. Merci. Merci, petit grand chien. Un 5. Est-ce qu'on va avoir un 6? Je pense que oui, c'est avec un château aussi. Fait qu'on a un 6. Une boule de feu. Dans la vie de Mario, il faut qu'il saute. Parce que s'il saute pas, généralement, il tombe dans la lave. C'est un conseil qu'on devrait tous appliquer dans notre vie. Sautez une fois de temps en temps, sinon, vous allez tomber dans la lave. Je sais pas pourquoi, mais si vous n'avez pas de lave dans votre vie, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Moi aussi, ça m'arrive de me mettre des balles de feu dans le cul. Sur ce, nous nous voilà de retour sur Castlevania. Aria of Sorrow. Je pense. Est-ce que c'est Ice le bon nom? Pourquoi je m'en vais foncer dedans comme si j'étais invincible? Je suis pas invincible. J'ai pas énormément de vie. J'ai beaucoup d'attaques. C'est ça la petite différence. J'ai beaucoup d'attaques, mais j'ai pas de vie, techniquement. Ben, j'en ai quand même beaucoup. Mais ça nous permet aussi de monter de niveau plus vite parce qu'on peut aller dans des zones qu'on normalement on serait pas capable. Ouh! Ah, c'est le livre. Je pense qu'on a besoin de ces livres-là pour avoir la bonne fin normalement. Mais en Randomizer, on s'en fout un peu de la bonne fin. Donc on n'ira pas le chercher. Increases money as damage is incurred. Je m'en fous un peu. Quoique, ça pourrait être bon si je veux m'acheter quelque chose d'autre d'OP. Je pense que ça pourrait l'être. Moi, je fais juste aller à droite puis. Non, 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 je me rappelle de toi, tu es un biche. Il y a même un item là qu'on peut avoir, alors je veux l'avoir. Collect souls to increase strength. Oh, ça pourrait être très bien. Pour l'instant, c'est moins bon que le plus 8. Sauf que ça augmente mon con et mon int. Donc... Je vais le prendre parce que on va juste collectionner des... C'est-tu le bon que j'ai pris? Oui, ok. Parce qu'on va devenir de plus en plus fort, plus qu'on va avoir d'armes. Et on s'entend, c'est pas mal ça le but de notre aventure en ce moment. J'ai hâte de trouver un sauve, un save, enfin un sauve, oui. Est-ce que t'es mort? Non, t'es pas mort. Là, t'es mort. Et donne-moi un autre arme. Et c'est... Ça me dit que ça l'a... Ça me dit que ça a un pouvoir de destruction massive. Alors, allons-y. Qu'est-ce que ça va faire? Oh. Ah, j'ai plus assez de magie pour l'utiliser. Ok, bon. Ça n'a pas l'air si bon que ça, finalement. Je me rappelle plus le trois quarts de... Je pense qu'on va garder le curry. Meilleure chose. Mais je me rappelle plus le trois quarts des armes, qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est avec de l'exploration, beaucoup. L'exploration de mes âmes. Ok, non, commence pas à chanter. Stupid. C'est pas plaisant de chanter. En fait, c'est plaisant de chanter. Mais c'est pas plaisant m'entendre chanter. C'est ça la différence. Ok, on va regarder ma map pendant un instant. Donc, je vais revenir à... c'est pas exactement les mêmes boutons. Et vous avez aucune idée. Ou peut-être que vous avez une idée. Vous pouvez avoir une idée, mais... C'est parce que... Fuck you. C'est parce que les contrôles de Game Boy Advance... C'est le B et le A. Et sur ma manette, le B et le A de Game Boy Advance et de Super Nintendo sont exactement à la même place. Sauf que dans Donkey Kong Country, il faut utiliser le Y et le B. Donc ça me prend un petit moment juste me repositionner ma main. En fait, ça prend un petit moment à mon cerveau de placer ma main et de comprendre qu'on a changé de jeu et de système. Fait... Oh non, you son of a bitch. Mais ça, c'est un des... Une des phrases que je dis le plus souvent pendant ce chauffeur, son of a bitch, ou shit, ou toutes ces réponses. J'ai peut-être un problème d'agressivité quand je joue au chauffeur. Mais non, voyons, impossible! Impossible que j'ai un problème d'agressivité, n'est-ce pas, petit poisson? Fuck you, fucking poisson! Ok, non. Non!
je n'ai pas problème d'agressivité. La dernière fois, je prenais toute l'énergie négative autour de moi. Ou à l'intérieur de moi, devrais-je dire. Ah! Un petit castor qui... Ah! C'était stupide. Pardonnez-moi. Je prenais toute l'énergie. Je pense que je devrais prendre ma retraite des jeux vidéo à l'instant. Sauf que j'ai pas accumulé assez d'argent, fait que je peux pas. Donc que je sois nul ou pas, il faut que je continue jusqu'à ma mort de travailler. Joie, joie. Et ma mort arrive souvent dans Donkey Kong Country 1. Tu sais que je l'ai complété à un moment donné. Ça dépend aussi des monstres, des ennemis que le jeu m'offre. Comme ça, des Armadillo qui s'auto-fout dans le trou. J'ai rien contre. Oh my god, de requin! Je pense que le requin avait pris un petit peu trop de drogue. Mais c'est correct, on le juge pas. C'est légal. Ça dépend lesquels. Bref. Concentration, c'est le temps de se concentrer. Et j'ai besoin... Oh god, damn, j'ai... Oh, ah, hi, ah, 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 ah. Non, ni, ah! J'aime la vie. La vie est bien. Tout le monde aime la vie. Surtout les pieuvres flottantes dans les airs. Yeah! Cette fois, c'est la bonne. Peut-être qu'il va falloir que je fasse une petite prière. Mais cette fois, c'est la... You son of a bitch de roue de merde. Cette fois, c'est la bonne. Peu importe s'il y a des roues qui me rentrent dans les fesses, cette fois, c'est la bonne. Oh god, pourquoi? Pourquoi? God, pourquoi il a fallu que ce soit une abeille, une zinger, là? Oh, arrête de me regarder de même, Luna. Arrête. Arrête de me juger. On n'est pas en live en ce moment. C'est juste dans les lives qu'on a le droit de me juger. Pas pendant les vidéos. On ne juge pas pendant les vidéos. Même si je le sais que je me fais juger. C'est correct. Regardez-moi le vautour jaune pisse. Ah, goddammit, j'aime ça recevoir des noix dans la face. Voyons, faut être positif. Qui aime pas ça recevoir des noix dans la face? Ne répondez pas à cette question. Bye bye, Armadillo. Ok, succès. Je pourrais même pas vous dire c'est quelle la partie la plus difficile parce que ça dépend vraiment des ennemis qui spawnent. Ah, oh, goddammit. Nous revoilà dans Super Mario Brothers. Et le prochain jeu qu'on va avoir, eh bien, ça ne sera pas le dernier. À moins qu'on switch là. Mais on risque de... Ça risque d'être le dernier jeu de la vidéo. Celui-là, en ce moment. À moins qu'on change! Là! Non. J'ai essayé. J'ai essayé, mais non. Mais peut-être qu'on va réussir le château, en fait. Et peut-être qu'on va voir notre premier... Oh my god! Je suis sûr qu'il y a un champignon, là. Non. Il y a un champignon, là! Je le savais! Ça me pris des balles de feu dans le derrière, mais... On sait tous que Mario adore ça. Une chance que j'ai infinie de vie. Je leur ai dit, une chance que j'ai infinie de vie. Je pense que c'est le thème de cette vidéo du Chauffleur numéro 5. La mort. Mort. Ok, bon. Et, tu sais, je vous l'ai dit que j'étais pas très patient. Il faut tout le temps que je fonce, 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 fonce. Généralement, quand je fais des vidéos. Mais je vous dirais, généralement, quand je joue aussi. Mais je suis capable d'être patient, généralement. Quand il le faut. Quand je joue à un RPG. Quand je joue à un jeu de plateforme, généralement. Je fonce dans le tas et je meurs comme un stupide. Comme vous pouvez voir en ce moment. Ça ressemble pas mal à ça quand je joue en privé, entre guillemets. Goddammit, pourquoi j'ai sauté dans le bain de sang? Ou de lave? Ou de ketchup? Ou toutes ces réponses? Qui sait, c'est peut-être une belle soupe? Goddammit, je viens de me rappeler une vidéo d'une certaine personne qui se disait accro de manger du sang. Ou boire du sang. Est-ce manger ou boire? Si c'est du sang épais avec des petits motons dedans, est-ce que c'est manger? Bref, des questions très pertinentes. Ok, il y a un champignon ici, je le veux. Viens ici que je te mange. Délicieux. Oh goddammit, j'ai peur à la casquette de Mario! Non, pauvre petite casquette. En fait, c'est plus... les foufounes de Mario qui se sont faites brûler. Mais c'est correct, il est habitué. Je déteste comment cla... Non! 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 Mais sur ce, ça va être la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Et bye-bye! Est-ce qu'on va voir un nouveau jeu la prochaine fois? Qui sait? On ne les a pas toutes vues encore. Mais bye-bye!